On est reparti, jour 7 de ce FK14. Toujours et avec maintenant ils peuvent Narenz. attaquer l'assaut. Ils peuvent attaquer l'assaut, qu'est-ce que je dis? Ils peuvent attaquer la paix. Ouais. Merde, ils sont là. Non, pas du tout. Oh putain, mec. Ouais, j'aurais fait laisse tomber, laisse-les. Hein. Je te jure, j'aurais. Ça sert à rien, on aurait encore perdu un full James. Oh, histoire au moins de leur faire gagner, enfin gagner, perdre des TNT justement. On dit Zader, t'as bon escient. Je t'avoue que c'est la première saison quand même que je m'en bats littéralement de cette fameuse. Comment ça s'appelle? De ce fameux AP. Que là actuellement, un peu dans la merde. Tech. Bon, ma cobble elle aura bien servi. J'ai fini de faire la base, maintenant il me faut juste le gravel. Le gravel. Le gravel. Il me reste encore 3 stacks de cobble. Hein. Bon, on est bien. On est bien, on est bien. Est-ce que je vais avoir assez de blocs? Je pense pas. Est-ce que je fais quand même une liaison entre les deux bases ou pas? Sous terre. C'est déjà fait. T'as déjà fait sous terre? Oui. Ah! Ah! Bah oui, ah! T'as commencé par où? Enfin, t'as commencé où à la faire? Je vais arriver à te le dire, attends. Bah, quand tu commences à descendre dans les mines, bah, justement, tu as un accès. Normalement, c'est entre ah oui, la terre je vois. Ok, parfait. Bon. Mais du coup, ça va être chiant aussi de monter. Ouais, va falloir monter dans les angles, mec, pour remonter dans la base. Je vais quand même faire mon truc de avec la redstone. En gros, il faudra l'activer ici. Derrière, genre un truc de merde pour qu'ils pensent que ce soit ça. Et je vais faire un faux truc dans l'autre base. Je vais le faire. Essaye de mettre quand même plus de redstone dans l'autre truc parce qu'ici, je t'avouerai que ça va être un peu chaud. Non mais regarde, je vais faire un truc comme ça. What, putain, t'es déjà en bas, putain, t'es rapide, what the fuck. S'il te plaît, quoi. Oh là là. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Mais le truc c'est qu'on peut faire des galeries en fait aussi. Ici. Ouais. Ah ouais, mais du coup. C'est un peu con en fait de relier nos bases. Ouais, parce que s'ils rentrent par là, ouais. Bah du coup, s'ils assoient une base, va falloir enlever l'autre. Malgré que ce soit une fausse ou autre, mais bon. Bon, en soi, peut-être qu'il faut la délaisser celle-là en vrai. Ouais, j'avoue que c'est pas non plus le meilleur truc à garder. Ouais, viens, on la délaisse, mec, laisse tomber. Ouais, on fait genre, je repose de la stone, je fais de l'apocalypse, de l'anarchie, et tout ce que tu veux dans cette base, de toute façon. Oh, nice pile, ça. Putain, mais je suis vraiment trop fort en vrai. Oh, quel homme. Ouais, t'es. Mec, bon, je récupère tout ce qu'il y a d'important dans le coffre là, et puis on le laisse. Hein. Ouais, t'inquiète. Ah, mais du coup, on casse le coffre, parce qu'on n'a pas le droit de. Ah, oui, c'est vrai, c'est comme considéré. Voilà. Oh là là, mais notre base, oh là 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 là. Incroyable. Ah mais là, la France a un incroyable talent, carrément, là, je dirais. Franchement, là, mec. Ah mais t'as laissé un passage, ok, d'accord. Du coup, faut. Même si je laisse pas. Faut reboucher un peu ici, non? Dans ton trou. Parce que s'il casse l'autre, bah, on est ouais, dans la ça, merde. En fait, le truc. Pourquoi tu dis ça? Ils vont venir, mec. Hein. Oui, je sais.
justement. C'est pour qu'ils arrivent en fait que je dis ça. Ok, bon. Ah ouais, mais du coup on peut plus passer. Merde. C'est chiant ça. Il faut faire la salle des coffres. Rien qu'une TNT, c'est rentable. Ils utilisent une seule TNT, vraiment rentable en fait. Mais où est-ce qu'on fait notre salle? J'en ai marre. Oh! Est-ce qu'on ferait pas la plus grande douille du siècle? Mais vraiment, là, genre une douille, mais. Ouais, tu veux la faire dans la maison. Ah, mais carrément. Une Ouais, douille, mon pote, c'est mais. ce qu'on avait ce que j'avais fait dans FKX Mass. Mec. Mec, on va les douiller. Ah ouais, mais le truc, c'est qu'ils vont regarder en premier la maison. Oh, mais au pire, on laisse juste un Mec, truc je sais ce pour. qu'on va faire. Quoi? Non. Mec, j'ai une idée. Écoute, Attends, on attends. peut pas faire un Là, je vais système. piéger. On peut pas Là, je faire vais un piéger. système de piston avec Ouais. ça là. Genre les bibliothèques, faut appuyer sur un bouton et ça pousse ces bibliothèques là qui sont là et la salle des coffres elle est dessous. Genre un truc tout con, genre un truc qui pousse ces bibliothèques là, qui les avance d'un cran par là. Et genre on peut passer ici. Et la salle des coffres, on la fait derrière là. Allez, salut. Bah en soi mec, tu veux faire comment? Tu veux faire quoi comme salle des coffres là? Sais pas, en vrai, je t'avoue que là. Non, justement, là, c'est parce qu'il y a un piège. En fait, là, rien que là-dedans, il tombe dedans, en fait, c'est un piège. Donc, du coup, ça va faire à utiliser obligatoirement une TNT. Le piège. C'est le piège, attention. Nous, on va faire comme Bon, ça, faut je faire absolument, mec. pense. Faut le faire très très vite même. Parce que prochain épisode, c'est dans quoi? Là, on est jour 7, c'est ça? Ouais. Prochain épisode, mec, c'est AP et celui d'après, c'est Asso. Tout est parallèle. Est grandiose. Ah là là. Bon. Donc, ouais. Ah oui, je vais aller chercher. Et mec, s'il te plaît, essaye de trouver un moyen. Je vais prendre du gravier. T'as bugué là. T'as dit, mec, essaie de trouver le moyen de. Je vais prendre du gars. Moi, je vais prendre du gravier. Toi, tu fais la salle des coffres. Non. Non, tu te démerdes. Ah, d'accord. Oui. Ah, d'accord. Super sympa en tout cas. Non, mais Alors, en vrai, mec, je sais pas comment faire. je sais pas, c'est bien, oui, des pistons, mais c'est trop cramé. C'est ça le truc. C'est trop cramé en fait ce truc de mort. Donc, je veux bien, mais si c'est cramé au bout de 2 secondes, c'est pas très utile quoi, tu vois. Pas envie de me faire chier pour un truc qui sera pas du tout. Non. Bah ouais, qui sera facilement trouvable en fait, ça fait. Je sais pas. Attends. Oh, aurais-tu trouvé l'idée? Mais non, mais. Si on repartait sur l'histoire de douille, Vas-y. genre, comment ça s'appelle? Un truc tout con, mais on la met dans l'angle, mais vraiment pile dans l'angle. Et en fait, on n'aura même pas besoin de rentrer dans la base en fait pour l'atteindre. Qu'est-ce que t'en dis? Et genre, t'as même pas besoin d'utiliser une TNT pour avoir la base, enfin pour avoir la salle des coffres. Mais ça, ils le savent pas. Vas-y. Là, franchement, je pense que ça peut être bien, mais bon,
en droit de la base. Pendant moi dans les caves là, je vais faire des pièges. Hein, de quoi, pardon? Dans les caves, je vais faire des pièges dans les mines plutôt. Ouais, go. Rien qu'un seau d'eau, ça suffit, mec, ils vont se noyer, voilà. Vas-y, bah fais ce que t'as à faire, là. Fais ton idée là. Putain, je sais pas, mec, je suis trop départagé, ça me saoule. Vas-y, fais ce que t'as dit, fais ce que t'as dit. Pour renforcer un peu. Il nous met très mal ce fighter, on a fait qu'un fight et c'est vrai, il nous a ruiné totalement en fait. Clairement, ouais. C'est vraiment pas très cool tout ça. En tout cas, c'était marrant quoi. Gab, il non, mais on en reparle plus parce que moi, mec, j'ai envie de pleurer. Toi, mec, toi, t'es vraiment. Tu as poussé Gab dans le vide grâce à mon arc punch. Ce Nil se suicide, on a juste le stuff à collecter et toi tout ce que tu trouves à faire c'est ne pas regarder sous tes pieds et mourir. Voilà. J'ai envie de pleurer. Actuellement. Actuellement j'ai envie de pleurer. Voilà. Non mais en vrai mec. Mais j'avais la larme hein, sur le coup. Et quand il a tombé il a fait OMG, pourquoi j'ai une vie. Au montage je mettrai le petit Darkness on my friends. Oh là là, mais please quoi mais. Allez, on remet un petit piège là. Oh mec, la paix il est dégueulasse, mon gars. Bravo, c'est que maintenant que tu le remarques. Non, mais il est vraiment dégueulasse, mec. C'est que maintenant que tu le remarques, mec. Oh putain. Oh non. Oh là là, mais mec, mais. C'est n'importe quoi. Mais tu veux que je te dise quoi Non, non, mais ouais, on fait avec les moyens. Non, mais je juge pas, mais. C'est quand même. C'est blessant, quoi. Ah, tu peux le dire, tu peux le dire, c'est blessant, c'est blessant. Putain. Est-ce qu'ils ont un message TS? Hein, de quoi? Peux-tu demander à Gab de me re-whitelist et j'étais. Waitlisté, mais ça m'a enlevé. C'est qui lui? Alex TD50. What the fuck? Le mec, il me demande ça sur TS. Je sais pas comment il a fait pour me voir déjà. Axel combien? Axel quoi? Axel DD50. Mec, il m'a demandé. Tu peux demander à Gab de me re-waitlist? Oh là là, please. Garde. Le mec. Le mec il part en contrôle. Gap 35. Il faut... Ah ouais, non, mais. Ah ouais, mais t'as bouché là à ce point. Mais non, mais mec, t'as. Oh non, mais mec, t'as un cancer de. De quoi? T'as un cancer de ouf. Pourquoi? Oh là là, putain, t'as rebouché le truc que j'ai fait. J'ai rebouché. J'ai rien rebouché, frère. J'ai rebouché quoi? Ouais, et mon père, c'est le créateur de Minecraft. Mec, j'ai. T'as rebouché mon trou, con. Quel trou? Mais où? Mais là, dans la mine. Dans la mine, j'avais creusé un trou. Et bah maintenant, il est bouché. Parce qu'il y a de la cobble. Ah merde. Oh là là, putain. Le bon cancer. Alors, je suis en train de grignoter la mousse qui est sur mon micro actuellement là, donc Faut pas se calmer. Oui, j'ai mal. J'ai mal à mon FK actuellement. Hop là. Oh là là, mec, ah, ça c'est une douille. Alors là, non, mais... Oh mec, non!
Comparé à toutes les douilles que je t'ai dit tout à l'heure, mec, celle-là, c'est la meilleure. Oh, mais mec, j'ai encore une plus grosse douille que toi. Vas-y, montre-moi ta douille, légendaire. Ah ouais, regarde. Regarde ça. Regarde là, regarde le bloc. Et... Bah réfléchis. Oh non. Oh non. Me dis pas que tu veux mettre les coffres en dessous avec Mais non, un non, non, avec non, un non, 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 entonnoir. mec, non, non. De quoi? Non, mec, ce que moi ce que je te Mais disais mec, c'est. c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, mec. On met des dalles là et on met des coffres juste en dessous avec des entonnoirs. Comme ça, quand tu lâches l'item, ça va dans l'entonnoir et ça va directement dans le coffre. Et alors, et comment ils font pour rentrer? Oh. Pourquoi tu casses mon délire? Non mais mec, moi ce que je te disais c'est que une fois qu'ils vont faire péter, t'as le gravier qui va tomber, il va tomber sur tes dalles de merde, et le gravier va faire ça. Et alors? Et bah alors le gravier il sert à rien. Parce qu'une fois qu'il va tomber sur le. Mais il va pas tomber là, mais putain, mais mec, le Mais gravier si il mec, pas. non, Il ah tombe putain, quand même. c'est quoi ça? Il tombe que vers. Le mec il tombe dans le pied. Putain, mais c'est quoi Ah si ça? mec, attends mais si mec, mais c'est bon alors regarde, ils sont obligés d'utiliser une TNT, bah voilà. Oh, mais putain, mais trop intelligent, mec. Le mec il pose un bloc et. Ah non mais, t'as pas compris. Ils vont péter une mais. TNT. Ils vont Mais. péter une TNT. Enfin, ils vont faire une. Ils vont... Voilà, ils vont mettre une Oui, TNT. oui, mais ce que je veux dire, c'est que le gravier, tu vois, quand il est sur cette ligne, il bouge pas, il va pas partir à 10 milliards de blocs, il tombe juste en dessous de lui. Oui, il va Juste tomber en en dessous. dessous, il va Mais oui, tomber mais en juste dessous, en mais dessous, ça va juste se en dessous. casser. Et en Oui, dessous, il y a, en dessous, il y a des dalles. Une fois qu'il va être mais sur oui, la mais dalle, oui, il mais va quand faire ça ça. casse. Mais oui, mais le truc, c'est que quand c'est une explosion, Minecraft n'a pas assez de temps pour update, du coup, la dalle est comptée comme un bloc, du coup, ça casse pas. T'es sûr? Bah, mec, genre, on a tout le temps fait ça et il y a eu des bugs de gravier, mec. Tu peux pas t'imaginer, quoi. Ok. Ah, et encore mieux, mec. Voilà, une TNT à utiliser encore. Si jamais ils ont, mais ils peuvent. Voilà. Voilà, actuellement, ils ne pourront pas. Voilà. Mec, on l'a fait où cette putain de salle, ça me. Faut se dépêcher, mec, ça va être la fin de l'épisode, hein. Et on va pas faire. Et avec Crazyx, on a fait ça au bout d'un moment, on s'est fait un saut. Avec Velba, on a fait ça, on s'est fait un saut. Hein? On va pas faire avec toi, mec. Hein. Je veux pas que ça se reproduise une troisième fois alors. Il fait du snake, des snakes, c'est grand rush. Hein. Ah, moi je suis un peu un monstre. Ouais, C'est bon, faux, du je coup sais là. pas, sneak des sneaks. Ah, nul alors. Bon, mais du coup, je change de mythe. Allez, au revoir. Allez, salut. Bon, moi je vais faire. Mec, franchement, fais ce que t'as dit genre, avec ta douille. Pour l'instant. Non, mais Pour mec, le t'as mot. douille là. Pour le moment, mec, moi En vrai, je fais des ah pièges. ouais, il y a Alex DT. Axel. Ah non, c'est Alex. Voilà, je vais prendre des seaux d'eau. Miskin, tu vas le faire bonne. J'avoue, le mec il va être banni pour dérangement de scène, putain. Oh là là, putain. Et qui s'est mis du gravier là, le mec t'es chez toi là? Je pense que c'est ta base que. Hein toi. Ok, pardon. Le mec a rien compris. Je vais aller voir aussi s'ils ont pas déjoué notre fameuse AP. Notre fameux AP. Je sais même plus parler. C'est génial là. Moi venir de France. Alors, bon, notre base. Elle est magnifique. Elle est trop bien. En fait, il y a un truc tout con, mec, mais. Comment tu veux faire l'objectif de la maison si dans ta base tu la renforces à l'infini? Mec, en vrai. Ça pourrait être une douille, ça aussi, en vrai, mec, en termes d'objectif. En vrai, mec, on a de quoi la TNT et ils ne trouveront même pas notre salle. Mais le truc, c'est que notre salle, faudrait peut-être la mettre quelque part. Parce que. T'es en train de faire quoi, toi? Faire des pièges. Ah, nice. Moyen de nous deux qui bossent parce que là. Voilà. Oui, je m'auto-clash. Alors, Ça me fait plaisir. Ouais, ça me plaît. Oh, j'envoie comme ça. Par contre, faudrait peut-être la fin de l'épisode parce que j'ai envie C'est quoi ça? d'aller aux toilettes là actuellement. Ah, et c'est cut, oui, cut. Bon, mais du coup, on espère que cet épisode vous aura plu. Prochain épisode, on fait la salle des coffres. Promis, on vous le promet, on vous le jure. Salle des coffres, tu t'en occupes.
Allez, salut.